Ma soeur, faut pas laisser ton Jésus d'être. Ah non, hein? Je veux pas le laisser. Il a trop fait pour moi. On y va. Je ne veux pas. Ce concert est spécialement initié pour récolter, collecter des fonds, pour acheter des instruments, pour aider le chœur à mieux chanter, à mieux servir le Seigneur. Parce que nous manquons d'instruments et c'est vraiment difficile de servir le Seigneur. Donc nous avons décidé comme ça de faire un concert pour collecter des fonds pour les personnes qui souhaiteraient bien nous aider. Pour collecter des fonds pour acheter des instruments, c'est le but de ce concert aujourd'hui. Et nous pensons que nous atteindrons notre objectif par la grâce de Dieu. Cœur Elohim est un groupe de jeunes, des jeunes dont l'âge varie de 16 à 30 ans, qui sont en majorité des élèves, des collégiens, des lycéens et des étudiants. Il y a quelques-uns qui travaillent, mais ils ne sont pas en grand nombre. Mais c'est un groupe qui aime vraiment le service de Dieu, qui aime la louange, qui vit vraiment de son ministère, qui vit vraiment pour son ministère, très dévoué. Et au cours de ce concert, nous souhaiterons aussi partager aux jeunes et aux personnes qui vont venir l'amour de la louange, l'amour de la louange sacrée, de la louange religieuse. Il faut qu'on apprenne maintenant, nous les chrétiens, à exalter Dieu, à le célébrer vraiment. La louange est une âme puissante. Et nous voulons au cours de ce concert aujourd'hui que les personnes qui vont venir puissent expérimenter la puissance de la louange. Pour que lorsque demain, elles vont retourner chez elles, qu'elles sachent qu'elles ont une âme, la voix. Ce n'est pas la belle voix qui loue le Seigneur, mais c'est l'âme et le cœur qui loue le Seigneur. Et c'est ce message que nous voulons transmettre après le message de la collecte des fonds. Une fois que nous voulons répéter comme cela, nous les chrétiens, quand nous allons vers les évangéliques parce qu'ils ont plus d'instruments. Nous les catholiques n'avons pas cette habitude d'avoir beaucoup d'instruments. Alors que avoir beaucoup d'instruments, ça harmonise plus le chant. Merci d'être venu. J'ai bien envie de m'excuser, mais vous savez, celui qui va vous bénir, la bénédiction est tellement que si je m'excuse, je suis capable d'en prendre aussi. Alors, souffrez que le Seigneur lui-même vienne s'excuser auprès de vous. Voilà pourquoi je veux nous inviter à retenir debout. On va commencer notre petit et glorieux concert. Et je vais inviter ici le Père Marie-Gabrielle. Merci beaucoup. Je dis merci à chacun d'entre vous pour la patience. Veuillez vous acclamer vous-même. Bon, regardez. Nous allons confier donc le temps au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu tout puissant, nous te rendons grâce pour cette soirée que ta bonté nous donne. Infiniment merci, toi qui as conduit nos pas jusqu'ici. Tant de grâce, tant de bénédiction, fais descendre sur nous ta grâce, ton Esprit Saint, sur ce concert, sur tous ceux qui seront les acteurs
Veille nous bénir tous et nous donner de nous réjouir toujours auprès de toi. Toi qui es vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. C'est une joie d'être là parmi nous. L'esprit qui féconde la parole. La voix.
Je suis la sœur Esther, Ange Esther. Je suis de la Parole. Je pense que c'était bien. Voilà, je me suis bien amusée. J'ai loué le Seigneur avec joie. J'aime la louange, voilà. Et j'ai tout plaisir à louer le Seigneur avec le cœur de Moïse. Voilà, c'était pas très longtemps que je connais le cœur Elohim, mais je les apprécie. Parce qu'ils sont jeunes. Et moi, j'aime les jeunes qui aiment le Seigneur. Donc quand je les vois, je suis contente. Quand ils font la louange, quand ils animent les temps de prière, vraiment, je suis dans la joie.